allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, l'ouverture de la Birchbox du mois de février. Alors, cette vidéo, c'est la deuxième fois que je la filme, parce que, alors, j'ai pas le retour écran comme vous le savez, je vous saoule avec ça à chaque fois, et la vidéo était trop claire, du coup on aurait dit que j'étais vraiment blanche, c'était pas top. En fait, ce matin, très tôt, il faisait pas beau, quand j'ai filmé, il faisait beaucoup plus beau, et j'ai pas fait gaffe en fait. C'était aussi clair, voilà. Du coup, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, mais je n'ai pas trop le temps. Voilà, je pense que vous comprendrez, voilà, les études passent avant tout et les enfants aussi, du coup, tout ça passait avant les vidéos, tout simplement. Alors, donc, ce mois-ci, la Birchbox s'appelle Let's Glow. Et elle se présente, comme ceci. Elle est sympa. Après, je suis pas fan du côté léopard, mais c'est mignon. Ce côté brillant est très mignon. Et là, on a une espèce de verre bouteille, un peu comme ma chemise d'ailleurs. Voilà, comme ça. Et l'intérieur, c'est tout simplement blanc. Voilà. Alors, ce mois-ci, il y a eu un petit souci en fait dans leur délai de livraison. Ils nous en informent avec une petite carte, du coup. La cargaison est coincée au port du Havre. Tout dans ce genre, bref. Et du coup, ils ont remplacé l'highlighter par un après-shampoing. Voilà, donc je vais vous montrer ce produit maintenant. Sachez que ce mois-ci, tous les produits sont cruelty-free et pour la plupart vegan et tout. Voilà, au moins 96% en moyenne d'origine naturelle pour tous. Donc on commence par ce petit produit donc, qui remplace l'highlighter. Donc de la marque Luxe Lisse. Je sais si vous voyez bien. Je vous ferai des inserts, peut-être, ce sera peut-être mieux. Voilà, donc, alors, j'ai pas le prix de ce produit, mais si je le trouve, je vous le mets dans la barre d'infos après. Après shampoing, argan, huile, enfin, à l'huile d'argan et de maroula. Et maroula, je sais pas ce que c'est. Alors, faites briller vos cheveux de santé. Cet après shampoing aux précieuses huiles d'argan et de maroula, de maruila, sinon. Pénètre instantanément dans votre chevelure pour lui redonner douceur et éclat. On aime sa formule adaptée à tous les cheveux, infusée de 10 ingrédients naturels. Donc, un après-shampoing, c'est comme d'hab, hein, t'as les cheveux lavés, essorés. Tu en mets donc là, ils disent de la racine jusqu'aux pointes et tu laisses poser 1 à 2 minutes, tout simplement, et on rince après. Voilà. Et ça sent bon! Bon, ça sent bien l'huile d'argan, mais c'est pas trop fort, c'est assez doux, voilà, comme parfum. Et du coup, donc derrière, il y a bien marqué, donc les ingrédients naturels, ils sont là. Alors, c'est écrit hyper petit, pas d'huile minérale ni de phosphate, cocamide des fruits. Pas de parabènes, pas de iode, de sodium, de sulfate, machin là. Bref, il y a plein d'autres trucs qu'il n'y a pas et c'est écrit trop petit pour que j'arrive à lire. Voilà. Donc sympa, on a 40 ml. Ça va, pour un après-shampoing, franchement ça va. Et quand on l'a ouvert, du coup, on peut le garder 12 mois, mais vu la miniature, on va l'utiliser. Et puis si en plus c'est un super bon produit, je pense que ça va, on va l'utiliser assez vite. Pas testé pour, sur les animaux. Voilà, super. Ensuite, nous avons... Alors, je vais prendre par rapport au petit livret. Petit livret qui, ce mois-ci, bon, il n'y a pas grand-chose. Hein. Voilà, il y a un tuto pour un teint glowy, mais il n'y a pas énormément de choses dedans. Voilà. Alors, on va commencer par celui-là. Donc, nous avons un produit de la marque Huygens, shampoing bois rose.
Marqué organique shampoo. Un shampoo. Alors, volume de folie au programme grâce à ce shampoing naturel et bio. Dans sa formule, 99% d'ingrédients d'origine naturelle, dont 11% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique. Vous n'y trouverez ni silicone ni sulfate. Ses actifs clés, un soupçon floral. Je vous ai dit ce que c'était, c'est un shampoing. Je sais pas si je vous ai dit que c'était un shampoing. Donc un soupçon d'eau florale d'amamélis. Ses actifs clés, un soupçon d'eau florale d'amamélis et une touche d'aloe vera. Résultat, les cheveux légers qui régressent moins vite. Voilà, donc encore un shampoing naturel. Donc ils indiquent, pas de panique, c'est un shampoing naturel, du coup il mousse un peu moins que les autres shampoings. Voilà, mais c'est normal. Beaucoup de shampoings bio ou d'origine naturelle, enfin, et avec des ingrédients d'origine naturelle, moussent moins que d'autres shampoings qui n'ont pas d'ingrédients d'origine naturelle ni bio. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'ils lavent moins bien, absolument pas. Alors là nous avons 30 ml, voilà. Heureusement c'est marqué dessus parce que là je vois pas trop. 30 ml en miniature et le format vente fait 250 ml. Il est à 16 € et sur le shop de Birchbox il est à 13,60 €. Voilà, et la bouteille en vrai elle est particulière on va dire. Elle est comme ça en vrai. Non, c'est sympa. Sympa, je suis contente. Allez, shampoing, conditionneur, c'est parfait. Ensuite, nous allons avoir quoi déjà? Oui, un masque que j'ai vraiment hâte d'essayer. Donc, un masque de la marque Algology, masque de l'archipel. Pour le visage, donc, envie d'un teint éclatant et visiblement plus clair, ce masque purifie et désincruste les pores pour révéler votre beauté à tomber. Ses actifs clés, l'argile verte pour absorber l'excès de sébum et assécher les imperfections, le limon marin pour détoxifier et nettoyer la peau en profondeur. On l'utilise une à deux fois par semaine en appliquant couche épaisse, on laisse sécher et poser 15 minutes du coup. Et voilà. Donc 100% made in Bretagne. And got the power. C'est en Bretagne, dans l'Armor, que la marque puise ses ingrédients jouissant d'un merveilleux jardin marin, afin de répondre aux besoins vitaux des cellules fondamentales de la peau. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors. Ouais, bon alors, il fait. Vous pouvez le trouver dans le Cordon Green de Birchbox. Il est fait en France. Je sais pas s'il y a des ingrédients d'origine naturelle, je n'en ai aucune idée. Je suppose que oui, vu que. Ils disent qu'il y a des actifs là de limon marin. Bref, j'y connais pas grand chose en fait. Donc nous avons 20 ml de produit et la miniature est beaucoup plus belle que le vrai produit. Hein. Franchement, je sais pas si vous voyez là. L'autre, le vrai format est vraiment très moche en fait. Hein. Ben, simple mais moche. Lui, j'aime beaucoup. Packaging. Alors le format 50 ml fait 25 € quand même. Hein. Du coup là on a 20 ml. Je vous aurais fait peut-être l'addition si j'ai pas trop la flemme. Mais sur le shop de Birchbox, les 50 ml vous les payez au prix de 21,25 €. Voilà. Voilà, hâte de l'essayer. Ensuite nous avons une crème pour le corps de la marque Baija. Crème corps festin royal. Cette crème au parfum gourmand de miel caramélisé va vous faire fondre de bien-être. À tartiner sur son corps, mais pas sur ses tartines. Encore un petit jeu de mots. On adore sa texture onctueuse qui pénètre facilement. C'est très naturel de miel, huile de coco, beurre de karité, aloe vera, cire d'abeille et de jojoba. Sa compo, 96% d'ingrédients d'origine naturelle, sans sulfate, ni parabène, ni phénoxyéthanol, ni silicone. Là, on a 25 ml et le format vente est à 75 ml. Format vente à 13,90 € mais 11,82 € sur le shop de Birchbox.
Alors, je trouve que 75 ml, c'est pas énorme non plus, hein. Voilà, c'est pas énorme et du coup, je me dis, ouais. Après, je vais pas l'ouvrir, mais je suis sûre qu'il sent très très bon. J'ai déjà une crème que j'utilise et j'ai pas forcément envie d'arrêter de l'utiliser, donc voilà. Et elle, quand on l'ouvre, bon, ça dure un an, mais voilà, j'ai envie de terminer ma crème et puis après, je partirai sur elle, mais elle va pas me faire un mois, quoi. Voilà, elle est toute petite. Et c'est pareil, c'est fabriqué à Saint-Honan en Bretagne. Voilà, mais l'odeur, elle est développée à Grasse. Voilà, j'aime beaucoup aussi le packaging, on dirait qu'il y a des petits brillants dessus, j'aime bien. Voilà. Et le dernier produit de la box, donc c'est un produit que j'ai déjà eu, c'est la troisième fois que je l'ai. C'est un produit de la marque Apicia, c'est un blush crème. Voilà, 99,7% d'origine naturelle. Alors, voilà la jolie touche rosée que votre teint hivernal attendait. Ce blush crème au fini naturel, au fini ultra naturel, rehausse à merveille toutes les carnations grâce à sa teinte universelle. Alors, formule enrichie en pollen pour plus de douceur. Alors, comment on l'utilise? Alors, là en plus, on a un petit tuto du coup pour l'utiliser. Et vous pouvez voir, parce que là, vu que j'en ai déjà un d'ouvert, parce que je ne me sers pas en plus. Eh ben, je ne vais pas vous le montrer. Donc je vais vous le montrer du coup sur la photo. Mais c'est... Vous en prélevez. Ça fait vraiment comme une crème pour le corps en fait, pailletée. Voilà. Et vous le tapotez comme ça, voilà. Ben, moi j'utilise un blush poudre en fait. Du coup j'ai beaucoup de mal à l'utiliser en fait. Mais si cet été j'ai pas du tout besoin de mettre du fond de teint, et bien je pense que je mettrai. Là je pourrais m'en servir parce que ça fait vraiment un rendu bonne mine et vraiment il est super par rapport à ça. Mais je pense juste que je l'utilise pas parce que je sais pas l'utiliser. Voilà, parce que la couleur est super belle. C'est très sympa de savoir qu'il est vraiment naturel en plus. Vous la voyez là. Donc c'est vraiment très joli. Donc voilà ce que ça donne au tout début quand vous tapotez, voilà, ça fait un peu beaucoup, donc il faut vraiment estomper. Et ensuite voilà, ça vous donne vraiment un teint bonne mine, comme ça, très naturel. Et c'est ça qu'on aime beaucoup. J'espère que j'ai réussi à me réinstaller bien. C'est vraiment ça qui est assez sympa dans ce produit, c'est que ça fait naturel en fait. Mais... Bien que là on dirait qu'elle a rien mis en fait, hein, si on regarde bien. Mais bon, voilà. Donc nous on aurait dû avoir du coup cet highlighter Glow Milk Liquid. Peut-être qu'on l'aura le mois prochain, on sait pas, hein. Peut-être que la grève elle est finie. Voilà, du coup oui, en février, mettre l'accent sur la lumière. Voilà, je pense que il fait pas hyper beau du coup, les gens, enfin ils nous donnent envie d'avoir des paillettes un petit peu et tout. C'est assez sympa. Ah, pardon, rougeur, oui, alors ça c'est pour les irritations par rapport au fait qu'il fasse froid et tout. Changement de température, pollution, stress, votre peau est soumise à de nombreux facteurs en hiver et devient donc plus vulnérable. Les plaques rouges peuvent se développer sur votre visage dû à la dilatation et la suractivation de vos vaisseaux sanguins. Nettoyez sans agresser, donc avec par exemple des eaux micellaires. Apaiser. Sérum plus crème, désapaisant et blablabla, et camouflé et corrigé. Donc là, oh, c'est un produit que j'ai en plus aussi. Correcteur liquide et slick, ouais. C'est vraiment des produits pas très chers. Je vous ferai une capture peut-être si vous voulez lire l'article. Il est assez sympa. Et là, donc, on a 50% de réduction sur le deuxième produit dans notre panier Birchbox. Bon, dans tous les cas, voilà pour cette Birchbox du mois de février. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, mes produits préférés, ce sont... Alors, je vais déjà dire le masque. Voilà. Et
Et je sais pas, bon, ça je suis un peu déçue parce que je l'ai déjà en fait. Hein, et puis ce n'est pas une miniature, ça c'est vraiment le vrai format. Ah oui, je vous ai même pas dit le prix. Je vous ai même pas dit le prix, c'est un produit en plus qui coûte assez cher. Hein, il est à 20 euros. Et sur le shop de Birchbox, vous l'avez à 17 euros. Du coup, ouais, je suis un peu. Pour 20 euros, j'aurais bien aimé avoir autre chose quand même. Surtout que je l'ai déjà en fait, c'est ça, voilà. Et c'est la troisième fois que je l'ai, je le répète, voilà. Mais c'est un chouette produit, donc voilà. Au pire, je l'offrirai à quelqu'un. Voilà, voilà. Parce qu'après, tous ces produits, je ne les connais pas. Bon, une crème de corps de Baïja, j'en ai déjà eu d'autres de Baïja. Je sais qu'elles sont super, elles hydratent très très bien. Et le parfum est super gourmand. Ces deux produits, donc hâte de les utiliser pour voir si ça agit bien. Shampoing et l'après-shampoing. Voilà donc pour cette vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!